Eh bien salut à tous, c'est Kiwik, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V pour vous montrer un nouveau glitch de duplication. C'est à peu près le même glitch que je vous avais présenté précédemment, donc c'est exactement le même fonctionnement sauf que c'est pas dans la chambre. Et voilà tout simplement, donc pour les prérequis ce qu'il faudra c'est que il vous faudra un centre d'opération mobile et dans ce centre d'opération mobile en module 3. Il vous faudra le dépôt de véhicule personnel. C'est très important, sinon la manipulation ne fonctionnera pas. Il vous faudra aussi un complexe et un bunker. Donc vous prenez n'importe lequel, on s'en fout. Prenez ceux qui sont à côté, prenez les moins chers, on s'en fout. Tant que vous avez un complexe et un bunker. Et il vous faudra aussi que vous soyez en mode de visée libre. Parce que dans la manipulation, il faudra rejoindre quelqu'un qui a un mode de visée différent. Donc le visée libre est le plus conseillé. Et il vous faudra aussi que vous ayez dans masquer les icônes dans activité et afficher tout ce qui est course, etc. pour que vous rejoigniez une activité. Donc voilà, donc il vous faudra aussi un véhicule à dupliquer. Et pour ma part, ce sera une easy anticipation. Vous pourrez revendre aussi, vous pouvez plutôt prendre par exemple une Eligir, Retro Custom, etc. Mais la Easy Anticipation, Easy Coche par etc. Se revendent à peu près 1 800 000. Donc c'est les plus rentables à dupliquer. Donc comme vous faites dans la vidéo, vous sortez de votre véhicule. Et vous rouvrez la porte pour éviter que le véhicule soit invisible quand vous venez au bunker. Donc voilà, donc une fois que vous êtes sorti, vous vous inscrivez en tant que sécuroserve ou peu importe, même en club de motard, on s'en fout, tant que vous ne prenez pas de véhicule personnel. Pour ma part, je prends un hélicoptère pour aller plus vite, après vous pouvez prendre un véhicule de PNJ, on s'en fout, comme j'ai dit, tant que c'est pas un véhicule personnel, on s'en fout. Donc voilà, donc je vais monter dans mon hélicoptère et puis je vais vous montrer la suite de la manipulation. On se retrouve avec un petit accéléré jusqu'au complexe. Donc voilà, donc dès que vous êtes arrivé dans votre complexe, ce que vous allez faire, c'est pas vous diriger au niveau de la chambre, mais au niveau de l'accueil où vous pouvez commander des encas, etc. Pour commencer la manipulation. Alors, la manipulation est simple, c'est exactement la même que la dernière fois. Il faut tout simplement rester appuyé sur Option et appuyer sur flèche de droite en même temps. Et si vous entendez la femme vous dire quelque chose, c'est que vous avez réussi la manipulation. Donc une fois que vous avez réussi la manipulation, vous entrez dans le monde pack d'entrée dans le monde criminel et vous le refermez et ensuite vous allez dans la carte, rejoindre une activité, n'importe laquelle, on s'en fout. Et là, la petite chose qui change, c'est qu'une fois que vous allez accepter l'activité, vous allez faire rond juste après pour fermer le menu des encas, etc. Et vous voyez que en bas à droite, j'ai un chargement fini. Donc si vous avez le chargement fini, ça veut dire que vous avez réussi la manipulation. Et si ça vous rejoint dans une activité, c'est que vous n'avez pas eu, on va dire, assez le bon timing. C'est pas question de timing, mais bon, c'est pas, faut aller assez rapidement quand même. Donc ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez vous diriger au niveau de vos Elegy RH8 que vous avez rempli dans votre complexe précédemment. Et vous allez vous rejoindre tout simplement un ami qui a un mode de visée différent. Donc vous pouvez rejoindre une communauté, un ami, où vous êtes sûr qu'il a un mode de visite différent. Et voilà, donc ce sera exactement la même manipulation. Donc une fois que vous avez le message d'erreur, donc là, hop, j'attends que j'ai le message d'erreur. Donc voilà, une fois que vous avez le message d'erreur, vous restez appuyé sur R2, donc pour accélérer, vous allez accepter le premier message et ensuite refuser le second et accepter le troisième message. Donc là vous voyez que ça m'a fait sortir automatiquement de mon véhicule et que vous voyez que véhicule ont clignoté un peu. Ça veut dire que j'ai réussi la manipulation.
Donc ensuite, ça va me faire sortir de mon complexe. Donc pas de mon complexe où je suis, mais d'un complexe. Et ce que vous allez faire tout simplement, c'est recommander l'hélico ou voler un véhicule de PNJ, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on se retrouve après un petit accéléré jusqu'au bunker. Donc voilà, donc une fois dans votre bunker, vous pouvez voir que mon véhicule a encore la porte ouverte et est visible. Mais vous n'allez pas monter à l'intérieur. Ce que vous allez faire, c'est vous allez aller dans votre centre d'opération mobile. Parce que si vous rentrez dans votre centre d'opération mobile avec votre véhicule dupliqué, il est possible que quand vous allez apparaître dans votre centre d'opération mobile, vous allez être tout seul et pas avec le véhicule dupliqué. Donc en gros, le véhicule ne sera pas là. Donc hop, vous faites comme moi dans la vidéo, vous venez, vous rentrez, hop, vous restez quelques secondes et vous ressortez. Et ensuite, à partir de ce moment-là, vous pourrez rentrer dans votre centre d'opération mobile avec votre véhicule dupliqué tranquillement. C'est vraiment ça, faut vraiment le faire au cas où, on sait jamais. Parce que j'ai déjà fait ce glitch-là auparavant et quand je rentrais pas, et bah, le véhicule n'était pas dupliqué. Donc voilà, donc faites comme moi dans la vidéo. Donc hop, vous prenez, ensuite vous pouvez monter dans votre centre, enfin dans votre véhicule dupliqué, vous acceptez le message d'erreur comme quoi le véhicule de dépôt est plein. Hop, vous acceptez et là vous verrez que je sors bien de ma voiture une fois le chargement terminé. Donc hop, voilà, je sors bien de mon véhicule, donc ça fait que la manipulation a bien fonctionné. Donc voilà, donc après vous pouvez sortir de votre centre d'opération mobile tranquillement. Et voilà, donc voilà, après vous pouvez répéter la manip plusieurs fois. Voilà, donc pour devenir riche, etc. Et voilà, donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous voulez plus de vidéos glitch, dites-le moi en commentaire. Je vais aussi faire des vidéos glitch tenues pour le RP. Donc voilà, n'hésitez pas. Le lien aussi de mon crew est dans la description, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était KiwiX et moi je vous dis bye les gars.